Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 10 février 2024. 15h36, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Merci d'être là. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant. Puis vérifiez vos abonnements. Il y a un vaste mouvement de désabonnement. Est-ce que c'est normal ou pas, je ne sais pas, mais assurez-vous d'être abonné. Pendant ce temps-là, on n'en parle plus beaucoup, on en parle de moins en moins, mais ça fait déjà des mois que ça dure, puis c'est loin de ce terminé à l'horizon le fameux conflit, la guerre, appelons ça comme on peut, là. on ne sait plus si c'est des conflits ou des guerres, entre Israël et ses ennemis jurés, le Hamas. Et là, on apprend qu'il une nouvelle offensive qui va être lancée et on se rapproche de Rafah, malgré des avertissements de beaucoup, beaucoup de gens. Biden et l'ONU déclarent qu'une attaque contre une ville où 1,3 million de civils s'abritent, serait désastreuse. On s'approche de Rafah. Israël s'est rapproché d'une offensive terrestre à grande échelle contre la ville de Rafah au sud de Gaza, alors que Benjamin Netanyahu a ordonné aux chefs militaires de présenter un plan pour évacuer les civils de la zone. Malgré les avertissements d'un haut responsable humanitaire selon lesquels une attaque contre Rafah, où environ 1,3 million de Palestiniens déplacés se sont réfugiés, conduirait à un bain. Deux, trois petits points. Malgré les appels de l'ONU contre les déplacements massifs forcés, Israël semblait déterminé à aller de l'avant. Il est impossible d'atteindre l'objectif de guerre consistant à éliminer le Hamas et, le, et à laisser quatre bataillons du Hamas à Rafah, a déclaré le Premier ministre israélien dans un communiqué rejetant l'avertissement de l'administration Biden. Selon lequel elle ne pourrait pas soutenir une offensive contre Rafa. D'un autre côté, il est clair qu'une opération massive en Rafa nécessite l'évacuation de la population civile des zones de combat. Oui. Avec plus de la moitié de Gaza déjà sous un ordre d'évacuation, des destructions généralisées dans toute la bande côtière et des combats continus, il était difficile de savoir où aussi un grand nombre de personnes pourraient être déplacées en toute sécurité. On voit ici où on veut aller. Euh, combattre. On n'est pas loin de l'Égypte, là, on est très, très, très proche de l'Égypte. Aucune guerre ne peut être autorisée dans un gigantesque camp de réfugiés, a déclaré ryan ou Juan ou Han. Et Egalen, le secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés, mettait en garde, mettait en garde contre un bain de trois petits points si les opérations israéliennes s'y développaient. Situé à la frontière sud avec l'Égypte, la population de Rafa comptait plusieurs centaines de milliers d'habitants avant la guerre, a considérablement augmenté maintenant avec les réfugiés. Environ 2,3 millions d'habitants euh, se sont retrouvés là et ont cherché refuge là-bas. Donc, vraiment, on ne sait plus vers quoi on s'en va, ça sent vraiment mauvais. Il n'y a comme pas de fin. On Nathan aussi, il va peut-être avoir un autre front, mais le Hezbollah est très prudent. L'Iran est très prudent aussi. Les Houthis au Yémen, eux autres s'amusent et s'en donnent à cœur joie. On est juste dans l'attente d'un faux geste, d'une petite gaffe pour que cette poudrière explose. Je voulais faire euh, juste un petit compte-rendu de ça parce qu'on n'en parle plus beaucoup. Mais je peux vous dire une chose c'est pas vraiment pas euh, rassurant. Puis je vais vous revenir avec le Venezuela maintenant, qui déploie des troupes aussi à sa frontière avec la Guyane. On va aller chercher naturellement le pétrole là-bas. Wow, je vous reviens avec ça aussi. Vraiment, euh, pas reposant, ça non plus.